Internet de Diaspora TV, nous sommes aujourd'hui à la rencontre de M. Diet Nazaire, opérateur économique et cadre de la région du Guémon. M. Diet, bonjour. Bonjour M. Maskeller, enchanté de t'avoir rencontré ce matin. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Un bon bail. Je vais vous laisser vous présenter. Ok, merci. Bonjour chers internautes de Diaspora TV. Je suis Diet Nazaire Mondésir, opérateur économique, comme vient de le dire, masculin, opérateur économique, homme politique, leader d'opinion, premier président de la jeunesse de l'USP, l'Union sociale du peuple de Côte d'Ivoire, premier secrétaire national chargé à l'organisation de la jeunesse de l'USP, président fondateur du mouvement ivoirien des jeunes ivoiriens pour la réconciliation depuis 2004, et cadre de la région du Guémon, précisément du département de Bangolo. Et voici, présenté M. Diet Nazaire. Merci. On va parler de l'actualité politique à Côte d'Ivoire. Ok. Quelle lecture faites-vous de la gouvernance du président Alassane Ouattara depuis sa prise de pouvoir le 21 mai 2011? Ok. Merci, cher ami. Depuis l'élection présidentielle de 2010, comme vous l'avez constaté avec moi, notre pays, la Côte d'Ivoire, est tombé dans une tourmente pas possible. Jusqu'au 11 avril 2011, où le président Laurent Gbagbo a été arrêté, et jusqu'au 21 mai, comme vous le dites, où le président Alassane Ouattara fait son investiture à Yamoussoukro. Le constat qu'elle fait est plus ou moins bon dans l'ensemble où aujourd'hui les canaux ont cessé et que l'Ivoirien peut se retrouver, peut s'asseoir, peut entreprendre. Bon, parce que l'économie nationale a repris les index, nous le signifie. Et tout le monde sait que nous serons bientôt à 2 points de l'économie. Et là, je peux dire bon, mais moins parce que les objectifs ne sont pas encore atteints. Parce qu'un pays qui a été repris dans un chaos total a besoin au lieu de beaucoup de choses pour que la cohésion soit vraie. Et je crois que c'est là encore se trouve beaucoup de nos inquiétudes. Donc, la lecture que je fais, je dis qu'encore il y a encore beaucoup à faire. Au côté économique, au côté politique surtout, où il doit y avoir des concessions pour que la réconciliation nationale ait lieu. Il faut que les rancœurs soient effacées des cœurs pour que les gens puissent se pardonner. Et là encore, cet effort, je pense que le gouvernement ou le pouvoir Ouattara piétine sur ce côté, piétine vraiment. Parce qu'il y a encore des arrestations, il y a encore des gens qui sont condamnés sans jugement. Il y a encore ce que lui-même il a appelé le rattrapage ethnique qui engraine vraiment la société nationale. Et donc il y a toutes ces choses à régler pour que je puisse dire, ben voilà, sinon la peine est plus ou moins. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, mais je crois qu'il est sur la bouffe, il ne faut pas être sorcier en politique. Sorcier surtout, vrai, il est tout du pas sorcier. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut le reconnaître. C'est vrai, aujourd'hui, nous pleurons, nos parents, nos mamans, nos soeurs, dans les foyers, ça ne va pas, dans nos bas quartiers, les gens se lamentent. Mais pour qu'un pays, devienne une véritable nation, il faut passer par là. Parce que quand on bâtit, on souffre effectivement. Et c'est quand tu commences à ce que tu bâtis, quand tu commences à récolter les tombées que tu vas souffrir. Donc les Ivoiriens souffrent que, en ce moment-là où le président Ouattara, je ne le soutiens pas, je ne suis pas Ouattaraïste, je dis que je ne suis pas Ouattaraïste, mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le développement, on dit la route précède le développement. Donc c'est vrai qu'il faut le développement. Mais aussi, ce que je vois et que j'ai souligné, c'est que, en même temps que le président Ouattara est dans le développement des infrastructures, il faut qu'il soit aussi dans les foyers de nos parents, dans les assiettes de nos parents. Parce qu'on ne peut pas construire seulement
un pays qui est sorti d'une crise où chacun a tout perdu, faudrait l'opportunité d'avoir, de recevoir, de percevoir au moins quelque chose via le service social. Mais aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire a un service social? Est-ce que la Côte d'Ivoire a un ministère social? Mais c'est des ministères qui existent, non. Alors que des millions d'Ivoiriens meurent dans la famille, dans la fête. Donc il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. C'est vrai que c'est une économie, c'est quelqu'un qui a vraiment une mentalité occidentale. Mais qu'il sache, en Occident aujourd'hui, tu peux avoir des gens comme ça qui n'arrivent pas à manger. Alors que lui, il a fait 23 ans de sa carrière dans la sphère occidentale et américaine. Donc il connaît les réalités. Et quand il prend un pays comme la Côte d'Ivoire et un pays africain, il va se baser d'abord sur le social. Parce que des gens ici sont indigents. En Europe, les gens ne sont pas indigents. Les gens mettent l'accent sur le social. Mais après, il faut un pays où les gens sont très indigents. On ne met pas l'accent sur le social. Et on construit. Non, mais quand la France, est sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils ne se sont pas mis à bâtir les infrastructures. Ils ont d'abord mis une politique sociale. De façon, ils ont une politique sociale. D'abord. Quand cette politique a commencé à prendre, ils ont commencé à faire le développement des infrastructures. Mais pourquoi pas le président va pas aussi faire ça? Donc voilà, pour ma part, ma lecture que j'ai faite, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a encore des efforts à faire. Mais dans l'ensemble, je peux dire que c'est bon. Aujourd'hui, on parle de la coalition nationale pour le changement, qui en 2015, en tout cas aux prochaines élections présidentielles, sera l'adversaire de table de président Ouattara. Que pensez-vous de la CNC et de ses leaders? Merci, cher ami. Je crois que c'est la coalition. La CNC serait la bienvenue sur la scène politique ivoirienne. La CNC serait une vraie coalition qui pourrait challenger un peu le pouvoir en place. En même temps que la CNC pourrait être ce vrai challenger, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, moi, à ma lecture, comme je le dis toujours, j'étais lié avec un de vos confrères. Je lui ai dit, je lui ai fait une interview en 2012. Je suis revenu sur ça hier, j'ai dit, mais j'avais dit ça à tel que je vais dire ça, non. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opposition forte, une opposition accréditée par le peuple. Une opposition basée dans le qui prend ses bases, qui prend ses bases dans le peuple. Mais ce n'est pas parce qu'on est technocrate qu'on peut se prétendre être opposant et penser qu'on peut diriger les Ivoiriens. On peut être technocrate et ne pas être un politicien. Vous comprenez? On peut être technocrate et ne pas être politicien. Mais quand on est technocrate, on n'est pas politicien, on apprend. On ne vient pas un coup et puis se jeter. Mais quand tu vois, moi je pense que c'est pérenniser le pouvoir Ouattara. Ce que vous voyez, vous avez une coalition là. Moi je dis c'est pérenniser le pouvoir Ouattara. Parce que quand je pèse les leaders même, je prends chacun. Je ne dénie personne. Mais sur le plan politique, nous sommes tous des Ivoiriens. Qu'on soit sérieux. Je pèse chacun. Je prends le cas Manu Koulibaly. Voilà un doyen. Quelqu'un qui est très bien. Qui est très bien politiquement et économiquement, mais qui n'a aucune base politique. Mais sur quoi ça ferait-il pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire quand tu n'as pas de base politique? Mais c'est que quand même on parle pas de géopolitique, on parle d'une politique nationale, mais en politique, il y a forcément la géopolitique. On dit, mais qui est-il fils? Vous comprenez? Il n'a aucune base. Il est nordiste, il n'a aucune base au nord. Il est d'Azagué, mais il n'a jamais été même. Il a été candidat à Kumasi. Et pourquoi, quand ton pouvoir, ton peuple n'est pas chez lui là-bas, pour être candidat pour se faire, pour avoir une caution de son peuple, il y a ça. Je prends le président Bani. Voilà quelqu'un qui, quand il a été premier ministre, a jeté des milliers d'Ivoiriens au chômage, a mis des dettes sur des Ivoiriens, qui n'a même pas réparé ce cadre aujourd'hui, et qui vient demander en même temps la voix de ce peuple que tu as affamé hier. Mais de quoi nous parlons-nous? La politique d'abord, c'est le bien-être social. C'est le bien-être social. On veut dire pourquoi ton peuple soit heureux. On dit, bon, je peux rendre mon peuple. Mais dis toi-même, avant que tu deviennes, tu as ramené ce peuple-là. Mais de quoi? Nous, il ne faudrait pas qu'on soit soutenu par des gens pour dire, pour venir nous tuer. Et je prends la troisième personne, c'est
le diplomate, son excellence, M. Issian Nara. Oui, c'est vrai, on nous dit que Ouattara a passé 23 ans, il est devenu le président en Côte d'Ivoire. Mais avant que Ouattara soit président, il a été à l'opinion pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Mais toi, Issian Nara, c'est pas parce que tu connais le monde que tu as. Mais ici en Côte d'Ivoire, quel est chez toi? Tu as une fois été candidat chez toi? Tu as une fois parlé au nom de ton peuple? Mais c'est comme ça, on commence. Mais M. Essi ne fait pas encore partie de la CNC. D'accord. Donc, je me retire. Mani, oui. KKB. Oui. KKB, quand je reviens à la CNC, voilà KKB, voilà un jeune que j'apprécie. Je dis jeune, mais c'est néré, mais je l'apprécie. J'apprécie son courage. Cela était à sa place, la même chose, j'allais faire. Mais il faut encore attendre. Il a encore le temps devant lui. C'est vrai, je l'encourage. Mais pour qu'il soit crédible, qu'il se défaire de ses gens. On n'a pas besoin d'être dans une coalition pour se faire entendre. Quand ta politique est bonne, tout le monde te suit. Qu'il se noyau. Parce que ce noyau, en tant que jeune Ivoirien, je parle en tant que leader d'opinion. Parce que non seulement le président Banou, lui a confié le reconciliation des Ivoiriens, qui se sont entretenus, il y a eu plus de 3000 morts. Il ne va plus les réconcilier. Ils sont partis à la part du gâteau parce qu'il était avec les Ouattara. Ils sont partis à la part du gâteau entre eux. Quand il a pris sa part, il s'est retiré. Mais ce n'est pas normal. Alors, je suis un jeune comme nous, prend l'initiative d'aller aux élections, de porter la voix des jeunes, de porter la voix des sans-voix. Mais moi, je l'encourage. Je l'encourage. J'ai déjà eu plusieurs entretiens avec lui. Je lui ai dit que je me réserve encore et que je le regarde faire. Mais il serait mieux qu'il s'adosse à la jeunesse dont il est issu que de se polluer à ce vieillard-là. C'est cela que moi je ne veux pas. Parce que la génération va passer. Mais il ne faut pas qu'il soit compris de cette génération-là. Donc pour la CNC et tous les autres leaders, vous savez, c'est chacun prêt, chacun. Il n'y a pas de petits serpents, hein, mais il y a des serpents qu'on peut tuer facilement aussi. Il n'y a pas de petits serpents, mais il y a des serpents qu'on peut tuer facilement. Ok. Revenons sur le cas Bani, oui. Puisque vous en parlez. Oui. La commission dialogue et réconciliation, pour vous, elle a échoué ou elle a atteint ses objectifs? Là, avant de passer le flambeau à la nouvelle structure. La commission vérité et réconciliation a été, je le dis, haut et fort, un échec. Un échec, pourquoi pas? Manque de courage du président Bani. Bani n'a pas été courageux. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était un partage du gâteau. Bani, il est RHDP. Donc, quand ils ont tous fait leur coup, quand ils ont tous balayé les socialistes, chacun veut prendre sa part du gâteau. Et quand Bani a pris sa part du gâteau, il s'est cherché. Il a donné d'eau. Sinon, pour remonter les Ivoiriens, ce n'était pas comme ça. Mais moi j'ai dit à Bani, j'ai proposé à Bani en 2012 que si devait avoir lancement des ateliers de la commission, c'était à Dioko et dans le Guémon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 800 morts, c'est ce qui nous a été révélé. Mais il y a eu au-delà de ça à Dioko. C'est une ville qui est une ville fantôme. Mais on reconcilie qui? Des gens qui sont vainqueurs? Des gens qui sont là, qui sont derrière, on reconcilie qui? Mais ce sont les trois français qu'on a conseillés. Parce que là, ils sont où? Ils sont à Djokwe, ils sont à Bobo, ils sont à Yokougon, ils sont à Kwibli, à Bangoro, à Ma et Konso, dans les zones de guerre, à Boaké. C'est pas Abidjan. Et d'ailleurs, tu es le président pour. Tu as été nommé président pour réconcilier. Tu dis comme ça qu'il doit réconcilier. Mais même quand tu dois réconcilier, si on prend des gens pour les descendre à la haine. Alors. Mais tu réconcilies qui? C'est devant Bani que le Boudi a été pris, a été installé à la haine. Mais quelle a été la réaction de Bani? Est-ce qu'il a démissionné? Moi, tu m'as nommé, tu m'as confié une tâche. Tu dis, bon, ce qui est passé, tu veux qu'on se pardonne. Voilà, et je te mets là pour que tu nous réconcilies. Mais en même temps, tu me mets là, et puis bon, quand tu prends ce commande, tu les envoies à la haine, en prison. Mais je réconcilie qui? Mais je prends mon courage, mais je rends démission. Et le Bani rend démission. Mais Bani s'est soucié de son père. Non, pas des Ivoiriens, mais que les Ivoiriens le sachent et qu'ils le savent que les gens ne peuvent pas les emmener quelque part. Non, pas parce que Bakou là, il faut une opposition, parce que Bakou en prison, et qu'il faut une opposition qu'on va prendre des gens, je les appelle des feuilles mortes. Ce sont devant les Ivoiriens. Bah, moi, je me suis devant, je le dis.
Il a même démission au moment où déjà il était à l'ABEIS. Ce n'est pas lui qui avait venu à l'ABEIS en Côte d'Ivoire. Il était en médecine, mais ABEIS en prison pour lui. Il est président de la commission de réconciliation et vérité. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? C'est pas le temps qu'il a pas compris pourquoi on parle de son jugement maintenant. Donc pour moi, c'était un échec. C'était un échec total. Mais toi, de toi à moi, frangin, il a banni à réconcilier qui? Non, de vous à moi, cher, banni à réconcilier quel Ivoirien? Non, ils ont facturé sur le dos du contribuable, ils ont fait des facturations, ils ont partagé de l'argent. Nous, on paye l'impôt, ils bouffent l'argent du contribuable ivoirien, c'est le partage. Et puis, ils se moquent de nous. C'est pas une politique. Tu vois, c'est pas une politique. Mais aujourd'hui, quel est l'état réel de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des solutions pour une véritable réconciliation des Ivoiriens? Merci, cher frère. Et quand je reviens encore à notre déclaration du 28 juillet 2004, nous avons demandé, quand on était encore aux heures chaudes de la guerre, nous avons demandé que la Côte d'Ivoire aille voir en son temps le vieux Mandela pour prendre conseil auprès de lui, pour qu'il nous explique le modèle de réconciliation que s'est donné les Sud-Africains pour aujourd'hui être ensemble. Et quand nous avons fait cette déclaration, le 28 juillet, les gens sont sortis. Ils sont allés au lieu de voir que c'est pas. Ils sont allés voir Tamoun Béki. C'est de là qu'est parti l'accord au lieu qui a fait de Ouattara candidat contre le présidentiel, dédié candidat exceptionnel. Tu comprends? Quand les policiers sont allés là-bas, ils ne se sont pas souciés de la représentation des Ivoiriens, mais ils se sont encore souciés de eux-mêmes, leur partage. Ils sont partagés de l'autre, non, soit les candidats, ils ont partagé le gâteau là-bas. Mais pourquoi les Ivoiriens se réconcilient? C'est simple. C'est simple. Le gouvernement doit faire la part de tout un chacun. On ne peut pas avoir de léser. Tout le secteur doit être ouvert à tout le monde. Assister à tout le monde. On n'a pas parlé de rattrapage ethnique. On ne peut pas mettre des gens en prison. Mais quand on pardonne, le pardon, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens appellent pardonner? Moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dise j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Frère, c'est qu'elle te dit ça, c'est que tu n'as pas pardonné. Parce que le vrai pardon, c'est celui qui oublie. Mais quand tu oublies la rancœur, tu pardonnes, tu n'as plus de. Tu ne te soucies de rien. Mais le pouvoir Ouattara n'a pas pardonné. Je pense que le pouvoir Ouattara, le RDR, je le précise, n'a pas pardonné encore aux Ivoiriens, aux socialistes. Parce qu'ils avaient pardonné, ils n'avaient pas avoir des prisonniers. Ils n'avaient pas avoir des prisonniers. Tu comprends? C'est libérer tout le monde. Il va être une dame ici pour libérer tout le monde. Tu comprends? Mais ça n'a pas été fait. Là, on continue d'aller en prison. Nous, la c'est déplorable, il n'y a pas de réconciliation encore. Ce que nous demandons aux Ivoiriens et au président Ouattara et son gouvernement, c'est de jeter des bases réelles de réconciliation. Tu comprends? Les gens n'ont pas besoin d'argent nécessaire pour se réconcilier. Les gens ont besoin de la sincérité pour se réconcilier. Mais on ne peut pas se réconcilier tant que des gens sont en armes encore dans nos pays, dans nos campements, dans nos villes, dans nos villages. On ne peut pas se réconcilier quand des gens encore coupent des routes et puis quand tu as un vélo que tu dois payer pour pouvoir ton vélo passe un barrage en Côte d'Ivoire. Mais de quelle réconciliation parlons-nous? Qui s'est réconcilié avec qui? Ou d'autres ont des armes en main. Quand tu passes avec ton vélo dans ton propre village, tu dois payer de l'argent. Quand tu ne payes pas de l'argent, tu arrêtes en prenant ton vélo. Et ceux-là, ils portent des tenues, des pouvoirs. Mais avec qui on s'est réconcilié? Soyons réalistes. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Mais la route va dans mon village. Il y a un barrage. Des FRC qui est là. Et quand tu pars par ça, tu dois payer ton vélo, tu dois payer 200 francs. Tu dois payer 1000 francs. Dans mon propre village, tu dois quitter mon village dans ma commune. Je dois payer de l'argent à des militaires. Mais avec qui je me réconcilie? Avec qui? Et ces militaires sont à la cause d'un pouvoir. C'est ce pouvoir. C'est le contexte. L'action de leur place, c'est dans les casernes. La place des militaires, c'est dans les casernes, c'est pas dans les sous des barrages. Mais et puis, de quelle réconciliation parlons-nous? Où des gens sont dans leur palais. Ils vivent à l'Est, nous on est malmenés par l'FRC, par des dozos, et puis on parle de réconciliation. Donc on a laissé manquer des Ivoiriens. On a laissé manquer des Ivoiriens. Qu'on aille au concret, qu'on dise ce qui est vrai. Donc moi je suis désolé, la réconciliation encore piétine. Et que si les Ivoiriens doivent se réconcilier, cela, il va de la bonne foi, je le dis, je le répète, la bonne foi du gouvernement et de son président de la République. Nous poursuivons notre entretien avec M. Dietz. Pour qu'il y ait des élections crédibles en Côte d'Ivoire,
il faut une CEI juste et transparente. Aujourd'hui, M. Diet, que pensez-vous du fonctionnement de la CEI actuelle et des nouvelles opérations de recensement sur les listes électorales? Merci beaucoup, Frère. CEI actuelle, je dirais non, c'est la même CEI, puisque la tête est toujours là. Je m'interroge encore, je me pose plusieurs questions qui n'ont pas encore toutes les réponses. Je m'interroge. Est-ce à ce seul poste que le président Ouattara pourrait utiliser le ministre M. Bakayoko? C'est pas cette question que je me pose tous les jours, mais je n'arrive pas à avoir de réponse à cette question. Ou bien, pour eux, l'équipe qui gagne, on ne la change pas. Sinon que cette CEI, quand même, à ma connaissance, devait changer d'entité. Voilà, un monsieur, un diplomate aussi, très bon diplomate, qui a été président d'une CEI qui avait des élections en Côte d'Ivoire, une élection présidentielle, oui, 3000 morts. Mais attendez, il a encore couronné parce qu'il a fait 3000 morts. Non! Parce que M. Bakayoko a gagné l'élection avec 3000 morts, il faut le reconduire à son poste. Nous allons quand même sérieux. Et cette même CEI va encore aller aux élections où encore des gens ont des armes, je le dis toujours. Mais c'est quelle CEI? Mais bon, d'accord. Dans quel hôtel encore ils vont aller programmer les résultats des élections 2015? Encore au golf ou bien à cette CEI? Non. Voilà, c'est la même chose que M. Banigo, je disais toi. C'est des gens qui n'ont. C'est-à-dire que quand, pour moi, qu'un homme n'est pas courageux, mais il faut l'écarter. Quand on n'est pas courageux, il faut le dire sincèrement. Monsieur Youssou Bakayoko devait décréter les élections nulles et non avérées. Parce qu'il y a eu jusqu'à 13 départements qui étaient litigieux, dont les résultats étaient litigieux. Mais c'est quand on va pour une telle élection, où quelqu'un, aujourd'hui, après nous avoir bombardé un palais présidentiel, c'était une première dans le monde, celui-ci n'a pas répondu là. Le plan va prendre la part de. Pour moi, vraiment, je dis qu'il n'a pas pris, il ne prend pas les Ivoiriens au sérieux. Cette CEI, pour moi, ne peut pas organiser une bonne élection privée en Côte d'Ivoire. Monsieur Diet, c'est bien bon de le critiquer, le gouvernement en place, de critiquer bon nombre de personnalités politiques. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez des propositions pour la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Ma propositions concrètes. Oui, mes propositions sont très simples. Il faut changer la tête de la CEI. Il faut mettre quelqu'un d'autre comme président de la CEI. Cette équipe qui a gagné les élections en 2010 doit partir. Et une nouvelle équipe doit venir. Et quand on va aux élections, mais c'est les candidats qui vont aux élections. Il ne faut pas forcément être parti politique pour avoir un représentant à la CEI. Vous comprenez? Donc il faut inclure tout le monde. Mais d'abord, le gâteau est taillé. C'est-à-dire que la chose est taillée déjà. Celui qui vient demain être candidat pour dire qu'il n'a pas de parti, qui n'a aucun représentant à la CEI, quel est son sort? Sachant que cette CEI n'est pas une CEI qui organise de bonnes élections surtout. Donc ma proposition, c'est de changer la tête de la CEI. Carrément. Monsieur Bakayoko, c'est vrai que les PDCI, c'est leur coalition qui est au pouvoir. On le trouve un poste ailleurs, pas à la CEI. Vous comprenez? Et puis encore, il faut inclure tous les candidats, tous les partis politiques légalement enregistrés au sein de la CEI aussi. Et même carrément même, comme en Côte d'Ivoire, et comme même dans le monde, il n'y a pas d'homme neutre, mais c'est comment on peut faire preuve de l'honnêteté. On peut confier à ceux-là, je ne donne pas de nom, on peut confier à ceux-là la nouvelle CEI. On sait qu'il y a des gens comme ça ici. Donc moi, proposition concrète, c'est de changer l'équipe dirigeante dans la CEI d'abord.
refaire de nouvelles bases à une nouvelle société capable d'aller des élections libres, transparentes et équitables aux Ivoiriens. Voilà ce que je pourrais proposer. Ok, merci M. Diet. Maintenant, pour ne pas te faire prendre le temps, quant aux opérations récentes, on a révélé la liste électorale, ben, je ne sais pas, c'est plus la bonne chose. Vous comprenez? Mais comment un pays où il y a eu des morts, où il y a eu la guerre, les gens sont morts, il y a eu des déplacés, des millions de déplacés. On fait la réunion des services électoraux pendant une élection en un mois. Mais attendez, de quoi est-ce que vous parlez? Non! Ou bien non, parce qu'il y avait une liste en attente. Il y avait une liste de près de 3 millions de personnes qui étaient en attente, qui étaient une liste frauduleuse. Ou bien c'est cette liste-là qui veut l'intégrer, pourquoi il parle de révision, ou bien c'est des Ivoiriens qui veulent réviser. Si on fait la réunion de la liste électorale, on donne le temps. On fait ça sur 2-3 mois. Pour que tous ces Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui voudraient bien décider pour leur pays, viennent s'inscrire, se faire recenser aussi. Parce qu'il y a encore des gens qui sont en exil, il y a encore des gens qui sont des réfugiés dans des camps, ils sont dans des camps de réfugiés. Avec des gens qui n'ont même pas encore retrouvé leur propre maison. Vous parlez de la pièce. Mais on fait ça en un mois. Un mois ça, il y a des jours. C'est même pas un mois. Il y a des jours où les gens ne travaillent pas. Ils ont des jours de repos. Non, c'est pas 30 jours. Mais alors soyons sérieux, prenons les événements au sérieux. Ou bien s'ils veulent faire. S'ils veulent nous appeler les pouvoirs, s'ils sont partis, ils vont décider, on verra. C'est tout. Monsieur Diet, oui, nous allons ramener la Côte d'Ivoire à la région du Bénin. Okay. Donc vous êtes originaire. Okay. Et donc nous saluons le président, M. Evariste Néambli, au passage. Okay. Est-ce que cette région du Gabon, est-ce que le fonctionnement de cette région du Gabon au ciel? Ok, la région du Gabon est un vaste territoire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la plus grande des régions, vu sa superficie. Ses frontières naturelles. Et voilà une région qui a tellement d'atouts pour un développement nettement mieux, mais dont les populations sont encore dans la précarité. Et cela d'abord par la faute de ses leaders politiques et par le manque de volonté politique de l'État ivoirien. Parce que c'est l'État qui distribue les biens. Si l'État ne fait pas une bonne distribution, il y a aussi des régions comme la nôtre qui sont lésées. Par la faute de ses propres fils qui font une politique de sorcière, comme je peux le dire, ils se marchent les pieds. Au lieu de chercher à développer leur région, au lieu de chercher à porter leur région au plus haut niveau, et ils se marchent par-dessus. Donc, cette région a encore besoin de beaucoup de choses. A besoin d'hommes charismatiques, d'hommes politiques charismatiques, d'hommes économiques charismatiques, d'hommes sociaux charismatiques. Vous comprenez? Et c'est une région qui a besoin de beaucoup de social aussi. C'est une région qui sort de la guerre. Vous savez, moi je vous ai je crois quelques années en arrière, on en a parlé. Nous étions de cette jeunesse qui avait demandé à Laurent Gbagbo de décréter l'Ouest comme une zone sinistrée à son temps. Ce qu'il avait refusé, ce qui nous a mis en colère jusqu'à aujourd'hui. L'Ouest a besoin d'un plan Marshall. L'Ouest n'a pas d'ivoire. En particulier, l'argent du Gémeaux a besoin d'un plan Marshall pour son développement. Parce que cette région est une région qui donne l'hospitalité aujourd'hui, l'a mis dans des problèmes. Une région très hospitalière, mais son hospitalité aujourd'hui lui a créé des désagréments qu'elle-même, elle ne peut même pas contenir, elle ne peut plus contenir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ces peuples-là? Pour que ces peuples-là acceptent et aient la réconciliation nationale. Mais il faut un plan Marshall. Aussi, je demande aux leaders, je sais pas, vous l'avez dit tout à l'heure, le grand frère Evariste Néambli, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par son courage, surtout comme j'ai dit tout à l'heure pour préparer, que j'admire par son courage, c'est quelqu'un qui ose, mais il doit encore aller au-delà
Donc, il doit se soucier plus de sa population. Parce que ces hommes politiques avec qui, dont il est issu, mais avec qui il est aujourd'hui, s'il est en complicité avec sa population, ceux-là ne pourront rien contre lui, il deviendra fort devant ceux-là. Et quand il n'est pas en complicité avec sa population, il devient un homme faible devant ces hommes, ses leaders politiques. Donc, je lui demanderai d'être complice avec ces populations. Et de travailler. Regardez, je prends un exemple de Diokwe, qui est la capitale du démon. Mais c'est un homme qui a bâti Diokwe. Un homme politique. Un homme du pouvoir qui a bâti Diokwe. Diokwe est bitumé. Ce n'est pas le président de la République qui a envoyé le bitume à Diokwe. C'est un homme. Mais pourquoi ne pas aussi envoyer ce bitume dans tous ces départements-là? Pourquoi tous ces leaders, ces députés, ces maires, ces hommes d'affaires ne peuvent pas le faire? Donc, aussi, il faut une cohésion. Cohésion des fils et filles de la région du Guémon. La région du Guémon a besoin de la cohésion de ses fils et filles pour son meilleur développement. Alors que est-ce que je constate aussi qu'il n'y a pas de cohésion? Les leaders politiques, les élus, il n'y a pas de cohésion autour. Il n'y a pas de cohésion ici. Ici, c'est chamaille, il y a l'hypocrisie qui règne entre eux, il y a la haine. Voilà. D'autres disent qu'on n'est pas du même parti, on n'a pas du même bord politique, alors que le développement n'a pas de coloration. Le développement n'a pas de couleur. Quand tu mets bitume à terre, on ne va pas dire que ce bitume est PDCI, mais il est RDR, mais il est FPI. Non! Non, jamais! Quand tu crées une grande école dans ton département, mais c'est tout le monde qui y va à l'école. Donc les cadres, les politiques, les autorités, les élus du Guémon se mettent ensemble pour un meilleur développement, pour un véritable développement de notre région. D'accord. On va maintenant ramener la Côte d'Ivoire à votre personne. Tout à l'heure, elle était Côte d'Ivoire. Elle est revenue à la région du Guémon. On la ramène à votre personne. Jeune cadre dynamique que vous êtes, opérateur économique, vous devez certainement avoir des ambitions politiques vis-à-vis des prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire, dans le Guémon et aussi pour en Côte d'Ivoire. Ok, mais avoir des ambitions, j'en ai déjà. Il y a le fait d'être opérateur économique, c'est une ambition. Et le fait d'être un leader de l'Union, c'est une ambition. Et aussi pour la région du Guémon, vous savez, je suis dans l'humanitaire aussi. Et depuis 2012, la structure dont je suis coordonnateur en Côte d'Ivoire œuvre dans le Guémon, surtout. Nous menons des actions dans le Guémon. Mes ambitions pour le Guémon, c'est voir ce Guémon-là sortir de sa léthargie. Mais ambition politique, comme je suis chrétien et que je crois que Dieu. Le temps est le second nom de Dieu, je laisse Dieu décider. Sinon, pour le moment, je suis humanitaire, je suis un bénévole pour la région, pour ma région. Je suis bénévole pour le moment. Je préfère aider mes parents, aider mes frères et sœurs à aller à l'école, à quand même se divertir, à quand même passer une bonne fête de Noël, à avoir un cadeau en fin d'année. Que d'aller dire non, je vais être député, je vais être maire, et puis moi, devenir ennemi. Cher ami, oui. La meilleure politique, c'est celui qui fait le social. Donc, moi, je fais pour le monde, je suis dans le pouvoir dans le social. Je le dis, je suis avec une soeur que tu connais très bien. Excusez-moi, c'est pas une soeur, Nicole Guéhi, qui a mis sur place une structure d'aide communautaire. Que depuis 2012, nous faisons des dons dans la région. On réhabilite des écoles, on permet aux enfants surtout d'avoir des cadeaux en fin d'année. Ce que nous n'avons pas eu le cadeau d'avoir quand nous étions petits, quand nous étions encore au village, et que ce que certains enfants n'ont pas le cadeau d'avoir, alors que d'autres ici à Abidjan ont ces cadeaux, ont ces privilèges. Donc voilà mes ambitions, c'est d'avoir un peu prospère. Une population qui vit aisément, et une population qui est réconciliée entre elle-même, une population qui rêve au bien-être de son département et de sa région. C'est là mon ambition.
Notre entretien tire bientôt à sa fin. Monsieur Dietz, oui, monsieur. Quel est votre mot de fin? Ben, mon mot de fin, c'est d'abord vous dire merci. Merci, vous qui nous donnez l'opportunité aujourd'hui de parler à ces milliers d'internautes qui suivent Diaspora TV à travers le monde entier. Et de permettre aussi à nos populations d'entendre nos voix et de savoir qu'ils ont aussi des fils et des filles qui encore ne sont pas corrompus. Oui, je le dis ouvertement, ils ne sont pas corrompus. Et donc, mon mot de fin aussi, c'est de voir une Côte d'Ivoire apaisée surtout. Parce que je suis dans les affaires, mais un pays qui a apaisé, ce pays-là peut donner l'opportunité d'entreprendre la réconciliation vraie. J'interpelle surtout le président de la République, mon père. Je l'aime bien, je le dis, sans de tout, je suis de l'Ouest, ça étonne souvent mes amis. Ça les étonne, mais je l'aime bien parce que je crois que c'est un homme qui est objectif. Disons, j'aime des hommes objectifs comme lui. Mais qu'il fasse encore beaucoup d'efforts pour nous réconcilier, pour nous mettre sur les rails du véritable développement et non pas seulement dans la bouche, dans les longs discours, dans la théorie. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était M. Thierry Nazaire, opérateur économique, qui apportait sa contribution à tout ce qui est actualité politique en Côte d'Ivoire. Il était au micro de Diaspora TV. Au revoir, chers internautes, et à bientôt. À bientôt. Merci.